va, Richard? Ça va et toi? Ouais. Salut Lionel. Ça va? Très bien. J'ai une minute pour dresser la bio de Lionel Abelansky. Quand Internet résume sa carrière en une phrase, Lionel Abelansky est un acteur français connu pour ses seconds rôles dans de nombreuses comédies. Alors, pour les gens, c'est quoi un second rôle? Bah, c'est le gars qui est dans le film, là, tu sais, avec quatre mérades, qui a des cheveux, pas très grands. Non, l'autre, là, Abelansky, voilà. Si, si, enfin, non, il a des cheveux. Pas beaucoup, mais il a des cheveux. Je vous rassure, Lionel. Hein, la calvitie est la marque des grands de ce monde. Hein. Gandhi, Bouddha, Vincent Lagaffe. D'ailleurs, bonne nouvelle pour vous. Et je vous le dis, vraie info, les labos investissent plus contre la calvitie que contre Alzheimer. À ce rythme-là, dans 100 ans, on ressemblera tous à Chewbacca, mais on aura oublié pourquoi. Lionel est un second rôle, oui, mais de première classe. Très vite, il est devenu au cinéma le pote relou, naïf, casse-couille, mais auquel on s'attache. Le public en demande, les réalisateurs aussi. Lionel devient la référence en matière de jeu, en matière de look aussi. Hein, et c'est pas Tarantino qui dira le contraire. Ouais. Lionel, qui est Quentin, qui est Lionel? On ne sait plus vraiment. Lionel, vous êtes à l'affiche aussi de la pièce Un dîner d'adieu, le pitch. Pourquoi se rend-on à des dîners quand on n'a pas envie d'aller à ce dîner? Et pourquoi ses amis, on ne veut plus vraiment les voir? Bah, moi, j'ai la réponse, hein, c'est l'alcool gratuit. La tease, ma gueule, y'a que ça de vrai. D'ailleurs, faut que je vous laisse ce soir. J'ai un open bar, mitzvah, shalom, salam, salut.